Salut tout le monde, c'est Setsukei, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le sixième épisode de Crash Twin Sanity sur PlayStation 2. Donc la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Ben tout simplement, nous étions au monde de glace, voilà j'ai appelé ça comme ça. C'est le plus simple à retenir pour moi comme pour vous je pense. Et donc tout simplement nous avions progressé. Et nous sommes arrivés dans cette salle où nous avons rencontré Uka, donc le frère jumeau maléfique d'Aquaku, donc le masque maléfique. Et nous l'avons affronté, nous l'avons battu. Et après, nous avons réussi à le convaincre de nous aider à combattre les deux frères maléfiques qui en sont après nous, voilà, tout simplement. Désolé, mon son de logiciel a bugué, donc du coup, je vais devoir passer par le son de la télé encore une fois. C'est génial. Et voilà, c'est tout. Donc on s'était arrêté ici. On va pouvoir reprendre. Tac. Boum. Oh, j'aime les explosions. Oh là là. Doucement. Il faut se calmer, Crash. Tac. Oui, parce qu'il était sur le point d'atterrir dans le vide. Moi, j'ai pas envie qu'il meure, hein, le petit Crash. Je l'aime bien, moi, Crash. Vous l'aimez pas, vous? Tac. Ah ouais, putain, les lags. Ok, là, il y a eu un gros lag. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je rappelle encore une fois que je suis pas sur émulateur, pourtant. Bref. Ouh là là. Alors là, c'est vraiment plan suicide. Est-ce que je tente quand même le coup? Allez, parce que je suis un petit peu en malade. Ouh là là. Allez, vas-y, on y va. Ah oui, les salauds, d'accord. Ah mais sinon, je pouvais faire simplement ça, j'étais même pas obligé de sauter dessus. Ok. Donc, on continue. Ok, génial. Donc, nouvelle zone. Tac, checkpoint, génial. Allez, petite plateforme, dépêche-toi. En tout cas, très joli laboratoire. Voilà, très classe, avec des néons et tout. C'est la fiesta, c'est la pop. Pardon. Ok. Voilà. Génial. Donc, on est arrivé au laboratoire de Cortex. Viens, nous devons nous préparer pour... C'est probablement pour toi. Des bonbons ou des sorts. Imbécile! Vous pensiez que ces deux jouets pourraient nous vaincre? Nous sommes les maîtres de dimensions infinies! Notre puissance dépasse la réalité elle-même. Et nos richesses dépassent l'imagination. Des richesses? Des richesses? Vous avez un problème à toujours reparler de richesses? Vous ne vous souvenez pas de nous, n'est-ce pas, docteur? Je le devrais. Vous avez gâché nos vies. Nous allons vous rendre l'appareil. Ok. Donc, les jumeaux maléfiques sont revenus, et nous avons pu voir notamment que Aquaku et Uka n'ont même pas pu faire le pas contre eux, contre deux petits perroquets dans des scaphandres, sinon tout va bien, voilà, tout est logique. Et sinon, nous avons pu nous rendre compte aussi qu'apparemment, les deux jumeaux maléfiques connaissaient Cortex. Parce qu'ils ont dit, si vous avez bien écouté, vous avez gâché nos vies, on va vous rendre l'appareil. Donc, oulala, doucement... Doucement. Donc ouais, apparemment Cortex a quelque chose à se reprocher, mais visiblement n'est pas au courant. J'ai bugué à moitié. Donc bon, on va savoir de quoi il en retourne au fur et à mesure de cette aventure. Donc les Power Rangers sont hors d'état de combat, c'est magnifique. Vous voyez, c'est pour ça que personne ne vous aime. Sois maudit, Crash Bandicoot. Soyez tous maudits. Nous reviendrons. Oubliez ce que j'ai dit à propos des richesses, d'accord?
Docteur Cortex, qu'avez-vous fait? Qui sont ces êtres maléfiques? J'ai gâché tellement de vies. Vous n'espérez pas que je me souvienne de toutes mes victimes? Une grosse tête? Un petit cerveau? Si nous le livrons aux jumeaux maléfiques, ils nous épargneront peut-être. Ils vont me tuer! C'est un risque que je suis prêt à courir! Crash, j'ai été comme un père pour toi. Je t'ai créé, je t'ai choyé. J'ai essayé de te détruire. Qu'en dis-tu? Avec mon intelligence supérieure et ta stupidité légendaire, nous serons invincibles! Allez, viens! Bah, dis donc, c'est très sympa pour Crash, ça. Ta stupidité légendaire. Tout est normal. Donc, bah c'est cool, hein, c'est même génial, c'est même magnifique. Oh, des étincelles. Bref, donc, on va aller là. Ouais. Ok, checkpoint. Et... c'est ici que je... alors, c'est ici que je dois aller, je crois. Je pense, hein. Oui, c'est ici. Voici le psychétron, la porte qui ouvre sur les dimensions infinies. Par-delà notre univers, quelque part entre la 9e et la 10e dimension, où nous devons nous rendre pour affronter les jumeaux maléfiques, dérober leurs richesses et restaurer l'ordre naturel des choses, avec moi au sommet. Il nous faut 6 cristaux de puissance pour faire le voyage, et nous en avons... 4. Voyons voir... ce n'est pas assez! Tout est perdu! À moins que... allez, viens! Ok. Donc, pour pouvoir rejoindre la dimension des jumeaux maléfiques, il nous faut 6 cristaux, si j'ai bien entendu. Et nous en avons que 4, effectivement. Donc, du coup, bah, il nous en manque, c'est ballot. Comment allons-nous faire? Et là, on va arriver, les amis, à l'une des phases les plus fun de ce jeu. Je vous laisse découvrir. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Si c'est bien le moment auquel je pense, hein, évidemment. Je crois que c'est ici. Si je fais pas erreur. Ouais, je pense que c'est là qu'il faut aller. Et donc, si je ne me trompe pas, nous allons faire l'une des phases les plus kiffantes de ce jeu. Mais vraiment, de très loin. De toute façon, vous allez voir. Vous allez kiffer, je suis sûr que vous allez kiffer. ...99 pommes, comme par hasard. Ah, cool. Tac. Ouais, j'ai failli tourbillonner dans la TNT, je suis un peu un malade, moi. Génial. Ok. Et nous y sommes. Là, vers la mer, notre salut flotte sur l'océan bleu. Nous devons rejoindre le cuirassé du Engine rapidement avant qu'il ne parte. Mais comment? Réfléchis, Cortex, réfléchis. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes, Crash? Tu aimes tant que ça, le derrière, si dodu de... Cortex. Enfin bref, et donc voilà la fameuse phase, l'une des phases les plus intéressantes du jeu et l'une des plus fun, l'humiliskate, que je trouve tout simplement énorme. Et premier fail, c'est génial. On va essayer de se reprendre, n'est-ce pas? Donc oui, l'humiliskate que je trouve tout simplement magnifique. Donc en gros, voilà, Crash qui fait du skate sur Cortex sans pression. Purée, pourquoi j'y arrive pas? Je voulais aller sur la rampe. Je voulais surtout vous montrer ce que ça fait. Oh, ils ont pas laissé la musique. Voilà, donc c'est génial. C'est
Attendez, attendez, excusez-moi, je vais juste me suicider. Est-ce que je peux me suicider? Je veux remettre la musique. Voilà, je veux qu'il y ait la musique. Oh, ils ont pas remis la musique. Les options musique, musique. Oh, ils ont pas laissé la musique, je suis dégoûté. Enfin bref. Oh là là, fait chier. Pourquoi ils ont pas laissé la musique? C'est un bug du jeu ou... Oh là, donc troisième bug de découvert, c'est génial. Bref, c'est pas grave. Checkpoint, ouais. Et là, ils l'ont remis. Génial, ok, super. Voilà, ça je préfère. Je préfère cette musique. Oulala, doucement, on va se calmer les mecs. Oh là là, quand même le pauvre Cortex avec Crash qui le prend comme skateboard normal et le pauvre qui grind sur des rampes avec son... Ah, mon dieu. Ah mon dieu. Mon pauvre Cortex. Oh là là. Doucement. Là, c'est bon, ça va. Le pauvre. J'ai mal pour lui. Le pauvre. Excusez-moi. Non mais franchement, j'imagine comment il doit se sentir, le pauvre. Et surtout, comment doivent se... Comment... Dans quel état doivent être ces deux boules, quand même. Mais merde, quoi. C'est pas humain de faire des trucs pareils. Oh, une gemme. Récupère-la! Allez! Non! Oh, je l'ai loupé. Désolé, je vais mettre fin à mes jours. Non, je veux mettre fin à mes jours! Voilà. Parce que je veux récupérer la gemme. Ok, génial. Juste, je vérifie. Ah, j'en ai qu'une! Je pensais que j'en avais plus que ça. Là, je l'ai pas fait exprès, par contre. Je suis désolé. Je l'ai pas fait exprès. Tac. Ok. On va essayer de faire un... Oh, le pauvre. C'est assez dégueulasse de ma part de me faire subir ça, j'avoue. Tac. Devant. Mesdames, pardonnez-moi. Ils sont vrais. Maman. Je kiffe cette réplique. Ils sont vrais. Maman. Énorme. Franchement, l'humour de ce jeu, j'adhère totalement. Je suis fan. Ils sont vrais. Maman, c'est toi. Oh non, ce jeu il est trop, ce jeu il est trop. Bref. Oh fuck. Je me suis planté en beauté. Encore une fois. Génial, mais je suis vraiment pas doué aujourd'hui. Ouh purée, ce bug de caméra qu'il y a eu. J'ai pas tout pigé. Oulala. Cool, je récupère une vie, génial. Alors du coup pour ce niveau là j'ai loupé plein de gemmes. Mais bon, j'ai pas envie de recommencer un nombre incalculable de fois non plus. J'ai même pas pu récupérer celle-là, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave. Oh, oh c'est pas humain, enfin des trucs pareils, ça se fait pas. Oh, j'en ai encore loupé une.
Bon bah là faudra vraiment que je refasse ce niveau. Moment boule de neige time. Énorme. Et le fameux dingo deal. Je n'ai jamais été aussi humilié. Aucun trésor ne suffira jamais à me le faire oublier. Trésor ? Hein ? Super ! Ok, donc voilà, hein, le pauvre Cortex qui veut pas se lever et qui, je pense, va entrer dans une forte dépression maintenant. C'est triste. Bref, donc là je suis aux 16 minutes. Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête là? Et la pauvre maison de Dingo Deal qui est complètement en miettes. On est vraiment des salauds quand même. Je regarde vite fait si il n'y a pas des passages secrets éventuellement dans le coin. Ne sait-on jamais. Donc il faut continuer là-bas. Hein. Mais... je vais juste retourner en arrière pour voir si éventuellement il n'y aurait pas des trucs cachés, hein, on ne sait jamais. Au passage, la zone c'est la boîte iceberg. Ah ! Bah non, en fait, je pense pas qu'il y ait... On va juste vite fait y aller pour voir, mais... de toute façon, si je meurs, je retournerai hors de la grotte, donc j'aurai pas besoin de faire tout le chemin en sens inverse. Ouh là là. Merci. Ok, génial. Ouais, donc c'est juste pour voir si éventuellement il n'y aurait pas des trucs cachés, j'ai pas des vies ou autre chose, et je me suis loupé, génial. Ah non, je reprends à partir d'ici, je pensais que j'allais reprendre hors de la grotte. Ok. C'est juste histoire d'explorer un peu. Est-ce que il y a... Non, il n'y a rien derrière moi. Et ici, qu'y a-t-il? Oh là là! J'aime pas les chauves-souris. D'ailleurs, ça me fait penser à un personnage de manga, mais je ne sais plus lequel. Le... Ok, ça c'est cool. Bon, on va détruire la nitro. Ok. Ou alors, si c'est... Non, ça me fait plus penser à un personnage Disney, je crois. Ah, donc ça me ramène ici. D'accord, donc ça me ramène au début, à l'entrée du laboratoire. Ok. Bon, je pense que c'est pour ceux qui auraient éventuellement oublié des gemmes. Ok. Donc juste pour le résumé des gemmes. Donc, voyons voir. Pour résumer, donc les gemmes de l'île d'Insanity, je les ai toutes. Celles de Dingue de Jungle aussi. Celle de la caverne catastrophe, il m'en manque deux. Pour Totem Oku, il m'en manque deux aussi. Pour la boîte iceberg, je les ai toutes. Pour glace glissante, je les ai toutes. Et pour toboggan glagla, j'en ai qu'une. Génial. Ok, bon bah c'est cool. Bon, sur ce, les gens, je vais m'arrêter là. Donc dans le prochain épisode, vous me retrouverez directement... à l'autre sortie de la grotte, hein. Je vais pas refaire tout le chemin en vidéo, je pense pas que ce sera super intéressant pour vous. Sur ce, j'espère que ce 6e épisode vous a plu, que vous êtes amusé à le regarder, et voilà, et que la série vous plaît toujours autant. Et je vous dis à la prochaine pour la suite, ciao!